Ben voilà. Oh, fais gaffe! T'es sûr que c'est là au moins? Évidemment que c'est là. Non mais attends, t'es sûr parce que je te connais, t'es sûr que c'est là? C'est pas encore un piège. Il nous avait dit quoi le mec? Contourner l'enclos des cannibales. Ouais. Traverser le cratère de l'ancienne chapelle. C'est bon. Suivre les carcasses de voitures sur 500 km, ça c'est bon. Et à droite au vieux moulin. Mec, mec! Tu ne verras jamais ce que je viens de voir. Quoi? Une boîte d'anchois, même pas ouverte! Une boîte d'anchois même pas ouverte? Ah ouais, du coup, c'est parti pour les anchois! Pas comme ça. Tu réfléchis d'abord à un plan. Mais il y a une boîte d'anchois. On s'en fiche de tes boîtes d'anchois. Il faut d'abord élaborer un plan. Tu sais ce que j'aime dans les anchois. C'est pas le goût. C'est l'odeur. Oh. Ok, donc un, on vérifie s'il y a du monde. Deux, oui. On calcule les facteurs à risque. Ouais. Trois, on les réunit. Ouais. Et quatre, on en déduit la meilleure approche possible. D'accord, donc s'il y a du monde, on défend tout. Mais non, pas toujours la technique de défoncer tout comme ça. Regarde la dernière fois. Ah non, mais moi la dernière fois, je voulais juste mettre des claques dans la gueule, hein, c'est tout. Hein. Oui, et t'as attaqué une grand-mère. Mais elle était super relou. Je suis désolé, moi je voulais juste qu'elle fasse dodo, la madame. Donc tu l'as pute. Ouais. T'es un gros tas. Ouais. Oui, enfin en même temps, excuse-moi, mais elle était si fragile. Genre j'ai mis un coup de maillet, elle est morte. Et elle avait 90 balais. 90 balais. Mais elle avait une boîte d'anchois. Oui, enfin au final, il y avait quoi dedans? Il y avait... Mais bon, on s'en branle, c'est pas le sujet déjà. Attends. Ça, c'est moi, ok? Ouais. Ça, c'est toi. Pourquoi c'est la grosse pierre? Parce que t'as la grosse pierre. Alors, donc tu contournes par la gauche, hein, pour arriver vers le passage près des arbres là-bas. Ouais. Moi, je reste là, derrière le petit muret. Ouais. Ok, très ouais. bien. Si, à mon signal, seulement à mon signal, ouais. tu t'introduis... dans l'enclos. Okay. En vérifiant qu'il n'y a personne, évidemment. Évidemment. Ensuite, avec une alternance relativement régulière, ouais. on va se retrouver à ce point central, ici. T'as compris, ça? Ouais, carrément. Pour les anchois. Okay. Attends, attends, ah. ah non, j'ai pas compris. Mais pourquoi tu dis que t'as compris si t'as pas compris? Quand t'as pas compris, tu dis que t'as pas compris. T'as compris, ça? Mais c'est juste que... Oh putain, on a vraiment eu de la chance. C'est encore là. C'est bon les gars, je crois que c'est juste un chat. Eh ben qu'est-ce que t'attends pour le chasser? On a rien à bouffer pour ce soir. Pour les anchois! Attends, attends, attends. T'es vraiment obligé de gueuler aussi fort? Ah bah ouais, mais t'es chiant, ça se trouve c'est la dernière boîte d'anchois. Ouais, c'est vrai. Alors ça c'était quoi? Tu vois, à cause de toi, on est obligé d'attendre là comme des cons. Oh, ça va, attends, on a eu de la chance quand même, hein, s'il te plaît. De la chance? Tu peux me dire exactement où elle est, la chance, là, je... Enfin, si, c'est vrai que peut-être que monsieur va pouvoir récupérer sa boîte d'anchois. Mais va pas me dire que derrière, là, on va trouver le transistor pour la radio, qu'on cherche, je te rappelle, hein, ou mieux, un indice sur le projet Mars. Hé, hey, regarde, mec, c'est quoi, ça? C'est juste une vieille radio. Et on n'a pas de chance, hein? Ok, ok. Donc on leur fout des baffes, c'est ça qu'on m'avait dit, hein? Ouais. Ok. T'as un plan? Bien sûr que j'ai un plan, alors. Vas-y, dis-le. Je le dis. Bon, ouais. Là, juste derrière, il ouais. y a deux mecs. Ouais. On les égorge tous les deux. Ouais. Ensuite, on attire par des petits bruits secs comme ça, là. Ouais. Afin de les assommer les uns après les autres, ok? Oh mec, tu me fais plaisir. Au début, tu vois... J'avais un peu froid dans mon corps, mais là, quand t'as dit le mot égorgé, oh, ça commence à m'exciter dans mon ventre. Oh, je prends celui de gauche ou celui de droite? Plutôt celui de gauche parce qu'il est plus barbu. Yes. Ok. Pour les anchois. Ah, attends, attends. Ah oh, non, j'ai peur. Ah, oh. Oh, je commence à regretter l'angoisse. Mais t'es sérieux? Ah. Oh. Ok. Et ben tu sais quoi? Ouais. Et ben j'y vais tout seul. Ouais, tout seul. Parce que je suis courageux. Ouais, t'es courageux. Parce que je suis pas une petite merde. Ouais, t'es. Parce qu'au bout d'un moment, il faut prendre son courage.
à demain. Et puis, y aller, parce qu'on se dit que... Se dire que si on n'y va pas, eh ben, y a rien qui se passera. Hein, et qu'à l'horizon, là, eh ben, on peut regarder le danger en face et lui dire... Lui dire que faut pas non plus jouer avec le feu, hein, et que la prudence, c'est aussi savoir rester à sa place. Oh, putain de goût, j'ai reconnu leur cri. Je suis sûr que ces vieilles schlags, elles vont me pouquer ma boîte en soie. Mais non, elles sont uniquement nécrophages. Mais c'est pour ça qu'il faut rester ici et ne rien faire. Là, tu vois, on les attire dans un gros trou et on leur balance des pierres dans leur gueule. Attends, comment tu les attires? En faisant un cri de goule? Ouais. Attends, parce que tu sais faire le cri d'une goule, toi? Si c'est aussi bien que le chat tout à l'heure, ou mieux, que le cerf à deux têtes d'hier. Ah, voilà, je savais que t'allais me parler de ça. Alors déjà, pour les cerfs à deux têtes, j'étais enrhumé. Hein? Et puis, merde, toi qui es si malin, comment on fait un cri de cerf à deux têtes? Ben, on fait le cri d'un cerf, mais en deux fois. Ouais, en deux fois, ouais. Toi et moi. Ouais, c'est pas faux. Bon, on s'en fiche, l'important, c'est ce qu'il y a derrière. Alors, dis-moi ce qu'il en est. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ok. La bonne, c'est qu'il n'y a plus de goules. La mauvaise, c'est que ça a attiré des chiens errants. Une ou deux têtes? Une seule, mais c'est des grosses bébêtes. Et il y en a combien? Alors, une, deux... Oh, attends! Ils sont en train de se barrer. Ok, ça c'est notre chance. Ouais. On y va. Attends! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le compteur s'est activé. Il doit y avoir de la radioactivité quelque part. Tu vois quelque chose? Il y a un raton laveur? Ça mord ou pas ce truc? Un raton laveur radioactif? J'en sais rien moi si ça mord. Ah mais je veux dire concrètement, c'est placé où sur la chaîne alimentaire? Là, je sais pas, l'ancienne ou la nouvelle? On va vite le savoir, il reste un kleps, je l'avais pas vu. Alors qui gagne? Oh, il lui a défoncé la gueule. Ok. Ah, qu'est-ce qu'on fait? S'il a touché à rien, la bouffe est à nous. Mais non, t'inquiète pas, la boîte d'anchois c'est hermétique. Je m'y connais. On s'en fiche de tes anchois, arrête! De toute façon, il a l'air attiré par les cadavres de pillards et... Non, non. Casse-toi! Casse-toi! Non! Il va faire la bouffe! Tourne autour. Ah non, ça va. Non! Non! Mais quoi? Oh l'enculé! Il a chié sur la boîte d'anchois! Oh le bâtard! Ah! Je suis désolé pour toi. Après, peut-être que. Les anchois ont survécu. Mais non! La merde radioactive, c'est corrosif! Bon, je suis désolé, mais l'important, c'est que la radio n'est rien. Mais tu m'emmerdes avec ta radio! Va te faire foutre avec ta radio! Je me casse! Mais tu te barres pas. Non, mais tu te barres pas vraiment là! Va te faire foutre! Enfin, tu sais que la radio, c'est ce qui peut-être nous permettre de nous sauver là, de cette merde là! Et surtout entrer en contact avec le projet Mars, hein. Ouais, bah, Mars, c'est plus important que... Tu m'écoutes pas. Bon, bah, je suis tout seul. Bah, je vais y aller quand même. Je vais y aller quand même, sans toi. Bah, il m'écoute toujours pas. Pas de problème. Ok, j'y vais. Non mais en fait, je vais venir avec toi. Les anchois, c'est pas mal en fait.